L'épicerie équitable, c'est une idée simple, on imagine plein de bon sens. L'épicerie équitable est née en 2004 de la volonté de rendre accessible la consommation responsable à tous, tant en termes de prix que de proximité. Une consommation bénéfique et bienveillante. L'épicerie équitable aujourd'hui, c'est une épicerie à Lille. Une épicerie à Lyon. Une crêperie à Lyon. Nous sommes aussi e-marchands, c'est d'ailleurs notre premier métier depuis 2004. L'épicerie, c'est aussi Antoine, Chloé, Hugo, Blanche, Julie, Noura, Marion, Julie, Manon, Anne-Chloé, Fletch et Julien. L'épicerie équitable, c'est 17 834 cafés servis chaque année, plus de 842 157 actes de consommation, 936 578 bonjours, dont 935 391 avec le sourire, plus de 2000 produits et plus de 350 producteurs, arboriculteurs, maraîchers, cueilleurs, éleveurs, boulangers, charcutiers, pâtissiers, caféiculteurs, torréfacteurs, apiculteurs, brasseurs, vignerons, maîtres cidriers, limonadiers, oléiculteurs, chocolatiers, meuniers, maîtres fromagers, myciculteurs, léguminiers, céréaliers, maîtres pastiers, distilleurs, maîtres savonniers, confituriers, importateurs. L'épicerie équitable, c'est vous, c'est nous. Des lieux de vie où on aime échanger, partager, discuter, découvrir. Quelques fêtes mémorables. L'épicerie équitable, c'est aussi un des premiers financeurs du crédit pas coopératif à Lyon avec 5 526 euros laissés en 2013, 17 382 euros laissés en 2014, 20 158 euros laissés en 2015. Ces sommes faramineuses correspondent à des frais et autres commissions d'intervention et autres agios. Aujourd'hui, ce crédit pas coopératif a décidé de nous supprimer notre découvert pour juin 2016, après nous avoir essorés, lessivés, balayés, jusqu'au bout. Mais ce bout-là, on n'en veut pas. On veut continuer à défendre la planète et ses habitants. Continuer à défendre les producteurs et leur belle et vertueuse production. On veut continuer à défendre votre alimentation, vos choix, votre santé. On veut continuer à défendre des échanges bienveillants, respectueux de l'homme et de son environnement. Aujourd'hui, l'épicerie a besoin de vous pour constituer son ballon de trésorerie qui la rendra indépendante des décisions arbitraires de la banque, qui lui permettra de rester le partenaire solide de celles et ceux qui se battent pour un monde qui ne soit pas rempli de quêtes de pouvoir ou d'argent, pour le respect de l'homme et de son environnement, pour continuer d'être un relais pour les initiatives sociales, solidaires, libres et bienveillantes. Voici le lien pour une contribution symbolique ou plus, mais qui, si chacun se mobilise, aboutira à la pérennisation de cette autre idée du commerce.